Disons Par contre, il a une que... capacité. Ce que je comprends pas, c'est, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'il touche ou pas. Je t'explique, parce qu'il a son coup de queue là. Mais si je prends ses habilités spéciales, il a le stun. Il peut faire un grand coup de queue qui étourdit l'adversaire. La créature doit faire un jet de sauvegarde DC 23 Ou ou être être dazed pour un round. de Z, c'est Ah oui, mais ébloui. oui, et si le toucher est un critical, ouais, donc il faut Il toucher. faut D'accord. toucher. Ah, t'as ta Ça répond réponse? à ma question, ouais, mais c'est en anglais, alors excuse-moi, le truc, je déchiffre le truc. Non, mais Bon, mais voilà, t'es excusé, t'inquiète. il loupe, voilà, on n'en parle plus. Dazed, c'est hébété, pardon, c'est pas. Ouais, il aurait pu être hébété et tout, Ouais. on y va. Bon, bref. Et ben, c'est à Fulgore, C'est alors parfait. Fulgore, à toi de jouer. Fulgore. On Du n'a coup, je suis jamais plus été. invisible. Ah, bah oui. Oui, vu que t'as balancé ta. Et ben, il va déclencher le truc d'opportunité, hein. Il fonce sur le gardien de la rune. Donc tu me dis dès qu'il s'arrête. Hein. Là, j'imagine. Bah pourquoi veux-tu t'arrêter? Par l'opportunité de... Bah il a déjà été fait l'opportunité, il me semble. Non, pas sur ce tour-là. Ah oui, effectivement, oui, non, mais j'avais un tour de retard. Effectivement, tu t'en prends une, tu la déclenches. Ce qui est fait pour, hein. C'est fait pour, ouais. Je suppose. Donc, il frappe de son C'est épée. les autres qui bastonnent. Faut pas qu'ils tombent Ça, et avant de ça, frapper. et ça touche. Ouais, bah, dommage. Bon, bah, Une grosse CA, mais. vas-y, tu peux t'avancer. Bon, bah, donc, il y va complètement, puis bah, il frappe, hein. Et il frappe toujours de la faux. La loupe. Super. Ah, faut vraiment y aller. Ta fine. Ouais, faut y aller au courant, hein. Ouais, c'est balèze, c'est besoin bordel. Oh, bordel, c'est pas scripté. Non, le sort bordel n'est pas scripté, effectivement. Donc, Falcor. Alors. Je joue au 4. Allez, ouais. C'est bon? C'est bon? Oui, vas-y. Oui, d'accord. Bon bah, je me méfie. Hein. C'est que là, tous les non, sorts il... qu'on utilise, ça marche pas quoi. Les tentacules, les machines, ça a aucun effet sur ces créatures géantes. Ouais, ouais. Ah bah, les runes là, on peut que prier nos cacs. Hein. Il a pu vous étudier pendant longtemps, hein, Karzoug, hein. Ouais. Il connaît vos faiblesses, hein. Ouais, Allez, ça critique quand même. Ça critique, Vilmar. Ah, c'est dommage. Effectivement, il s'en prend une là, dans les jambes, le géant des runes. Fait pas le malin. Et c'est à Vilmar qui est trop loin pour le critique. C'est à moi? Bah oui, je sais pas où t'étais, mais oui. Je t'ai boire un coup. Ah bah voilà, bah voilà. Donc j'arrive. Oh, t'as pas de cam, on te voit pas non plus, alors. Oh là là, pff. Ouais, c'est pour ça qu'il se saoule. Du coup, tu as perdu toute la partie roleplay qui s'est passée pendant que t'étais pas là. Il y avait une partie roleplay? Ouais, il y a Finn qui lui a pété les genoux. Sans roleplay. Tiens, j'ai toujours power attack, je sais pas pourquoi. Il va casser ses petites pattes arrière, mais bon. Eh ben, on y va, hein. Allez. On n'a jamais ah été bah aussi voilà. nombreux sur le Twitch quand même. Hein. Mmh. 55 personnes, c'est beaucoup quand même. Non. Non, je déconne, je déconne. Non. Tu regardes pas ton Twitch là. Ah non, il y a quand même 7 personnes. Dont Louis. Non, 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 non. Ça commence à m'énerver. Ils ont raison, on touche quand même sur la fin de la campagne. Et tout le monde n'est pas arrivé jusqu'à la fin de cette campagne. Steph, comment oui. tu rajoutes là j'essaie de scripter le machin là. Oh là là, mon dieu. En gros, je veux faire un soin modéré de groupe, c'est 2d8 plus 17. Attends.
C'est quel niveau? Alors, 6, level 6. Niveau 6, ok, j'y suis. Tu fais scripté, tu rajoutes... Blessure modérée, non, c'est pas blessure, c'est... Soin modéré de groupe. Soin modéré de groupe, ok, c'est ici. Tu veux... Je suis en train d'y toucher. 2d8, 2d8. Ouais, j'y touche, j'y touche. Et je sais pas quoi... Ah, je le fais. Ok. Vous êtes tous à distance. Ouais, vous êtes tous à distance. Même le couillon qui se trouve à 8 cases au lieu de. J'ai mis 2d8 plus 17. C'est bon. Merci. Ouais, c'est nickel. Donc. Par contre, t'es pas au hand power avec les soins là? T'es pas au maximum à chaque fois? T'as pas un truc qui te donne. Si, normalement, si. C'est 50%? Oui, maintenant il faut. C'est hand power, je crois. Ouais, c'est hand power. Oui, c'est hand power. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, et je balance. Et ceux qui ont leur PV complet viennent parler. Ok. Ah non, ils sont complets. Pour combien de râler, s'ils sont complets? Non, mais pas blessés, quoi. Qui ont des. Si t'as fini, tu peux passer ton tour. Hein. Ouais, qui ont des points de vie. Là. Et c'est au gardien des runes. Le gardien des runes, on est au niveau, on est toujours au niveau 2, donc je ne peux pas réutiliser ma puits d'étincelle pour le moment. Niveau 2, round 2, tu veux dire. Ouais, round 2, ouais. C'est pour ça qu'on a du mal, on est au niveau 2, quoi. Apparemment, la puits d'étincelle ne peut pas être utilisée tous les rounds. Apparemment, il doit y avoir une phase de rechargement. Il doit recharger les accus, et du coup, il va utiliser ce qu'il sait faire mieux de mieux, hein, son épée longue. Sur 1, 2, 3, 4. Donc je vais lancer un dé de 4. En commençant par l'ankylosaure. 1. L'ankylosaure. Impeccable. Il se prend les 3 attaques. Parce que je pourrais faire. Il va exploser. Ça aussi. Non, mais je suis gentil. Parce que je pourrais faire une attaque sur l'ankylosaure, une autre oui, sur. Je pourrais distribuer. Hein. Je pourrais distribuer les mandales. Hein, mais je le fais pas. Ah, il y a un automatique miss. Tu peux l'automatiquement l'enlever. L'automatiquement l'enlever. Ouais, tu peux le pulvériser. Je pense. Parce que je regarde déjà vas-y, si. Vas-y, fais les dégâts, mais. Attends, je regarde si c'est pas sa première attaque sur le 1, parce qu'il a fait un miss alors. Il a avec une RD de 5. C'est des dégâts quoi, physiques? Ouais, c'est des dégâts physiques. Là. Une RD de 5. Logiquement, elle est prise en compte sur le script. Ouais, donc, c'est le script, c'est normal, tu peux lui faire tes dégâts. Et je regarde si mon attaque n'était pas l'automatic miss. Et j'ai du mal à voir, j'avoue que... c'est la première attaque, donc... il fait un miss sur la première attaque. Un miss ou un automatic miss, un fumble. Donc du coup, il s'arrête. La lose. Ouais, la lose. Stayavin. Yes. Et l'ankylosaure est encore vivant, c'est incroyable. Incroyable. Yavin, il va se déplacer dans le secteur neutre là, gris. 1, 2, 3, 4, 6. Je place de 6, hein. À chaque fois je me demande. Le secteur suisse quoi. 4, ouais. Et je peux pas aller trop loin en fait. Ouais. Alors je découvre parce qu'il y a. Tu peux passer par là. Ok, ouais, mais je peux pas. Non, mais je. J'ai oublié d'enlever la boule de feu tout à l'heure. Par contre, là, le géant du feu du fond, il est mort. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, non. Oh, je vois presque un gris. Il va bouger. Et non, c'est pas gris, c'est vert qui est. Parce qu'il y a le truc rouge devant, c'est pour ça. Ouais, je peux l'enlever. C'est pas grave. Tu touches avec ton rayon ardent. Ouh! Bravo! Moi j'en ai plus moi, des rayons ardents depuis un moment. Mais il est toujours. C'est j'en bizarre. Plus qu'un après. Il est blessé, genre des nuages. Quoi qu'il saigne. Ça saigne. Voilà. Ça brûle. Il fera plus qu'un après. Mais il est toujours en vie. Et c'est à lui. Eh ben écoute, hein. C'est à lui. Cette fois-ci, il te vise avec son rocher. Ouais.
Et est-ce que j'ai le droit de lancer plus d'un rocher? Non, j'ai le droit que de lancer un seul. Ouais, un seul, ça suffira. Là. Ah non, mais je regarde parce que des fois, tu sais, les attaques à outrance, c'est possible aussi. Mais il lance qu'un rocher en ta direction, parce qu'il en a marre de se faire toucher par tes projectiles ardents. Et puis là, ouais, il vise le mur, et puis c'est bon, je vais t'en casser. Et fou Strike. Il sait pas que c'était moi. Ah non, t'es invisible. J'étais invisible. Ah, bah, il pense que c'est. Il prend le petit insecte pour responsable de tout ce monde. Il pense que c'est Yavin en fait qui est responsable de tout ça. Donc, du coup, il lui balance le rocher sur la gueule. Et il strike. Il n'y a aucune solidarité chez Magicien. Sur Yavin. T'es effectivement là, tu recules dans le, contre le mur avec un espèce de gros boulet de canon dans le ventre. Attends, c'est surtout. T'as un rocher à la place de la tête. C'est ça. Je pensais que j'étais mort sur ce coup là. Bah non, t'es pas mort. Non, mais t'as pris une belle. Quand même. Ah, oui, quand même. Ouais. Ah. Belle gaine, elle. T'as contré avec la tête. Ah, la vache. Et c'était à l'ankylosaure. Il attend le 20. Et tu sais, sur un 20, tout est possible. Merde, j'ai fait dans le vide. Tu peux recommencer. Non, ben, c'est un miss. Voilà. Ouais, c'est miss. D'ailleurs, c'était pas lui, il agit à mon round. C'est vrai, mais c'est pas grave. Faire passer. Eh bien, c'était un troisième round et c'est à Oswald, qui a la primeur. Je suis solidaire avec mon copain qui prend des torioles. Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Entre mages, on se comprend, t'inquiète pas. Ah, c'est ça. On est solidaire des cacs, mais les cacs, c'est normal. Je me mets devant lui, je suis un fou. Et je tente, de toute façon, j'ai plus de sort. Alors, je tente le sort qui loupe à chaque fois, c'est la désintégration. Sur le gardien du vent. Ok. Et ça touche. Par contre, succès, c'est ça, il a réussi son jeu. Il a réussi non, son. Non, succès, c'est mon. C'est quoi ça? C'est le save là. C'est la magie. Son GS, ouais. Il a réussi son jet de sauvegarde. C'est le jet de sauvegarde ou c'est le. Oui, c'est pas le caster level, c'est le jet de sauvegarde. Ouais, bon, ben voilà, ben, ça fait un sort de cramé, il va prendre des dégâts de merde du coup. Vas-y. Et déjà ça, les dégâts de merde, ça peut le suffire. Hein. Pff, tu parles de 12 dégâts. Putain, c'est plus que et c'était les désintégrations quand même. C'est merde. Tu imagines, c'était 34 dégâts. Ouais, c'était énorme avant. C'est nul. C'était énorme. C'est devenu un chier, quoi, désintégration. Enfin, voilà. Le Staffelgore. Il va y aller de tous ses coups. Hein. Et non, on va faire en plusieurs. Surtout si tous les coups missent. Loupé. Plus rapide. Loupé. Ouais, de toute façon, il touchera pas, quoi. Il y a une morsure encore. On en est à combien? Oui, il y a encore la queue, il y a encore un autre coup de fou. Oh! Bah voilà, mais c'est pas confirmé. Mais tu touches, quand même. Ouais, c'est les coups de queue qui marchent, hein. J'aurais dû écouter l'ankylosaure. Ouais, bon, partial resisted. Et puis, il y a un dernier coup de queue de la rapidité. 18 qui miss. En fait, il faut faire 20, sinon c'est pas la peine. Et c'est le gardien du vent. Ouais. Attends, j'ai un doute sur le 36 là. Le 36, ça touche pas? Je regarde. Le 37 a été touché, mais c'était un 20. Ah bah oui, non, non, ça touche pas. J'avais un doute, hein, mais non, c'est ça. Ça, donc le gardien du vent... Bah il continue à frapper. Pourquoi sur... Falgor, il est à 36 aussi, comme... Il va balancer un rocher. En plus. J'ai le choix entre Oswald et puis Yavin. Alors les gars, c'est entre vous deux. Hein. Allez, 1, 2, 3. Ouais, t'es devant, mais le rocher peut faire un... Un cloche, juste en cloche. C'est pas logique. Ah bah non, bah c'est sur toi. Strike. Et donc il balance un rocher sur Oswald. Strike. Et strike. Là tu m'as sauvé. Ah bah là, il se prend le rocher en pleine gueule. Blah. Un 33, c'est pour ça que je me suis mis devant toi, hein, mais bon. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il éclate devant toi et tu reçois plein de projections de cailloux, etc. Ah, c'est pour te montrer que j'ai les abdos, t'as vu, j'encaisse. Et ça, c'est à Eledwen.
Bah ouais, c'est à toi, ouais. Réaction, ouais, putain, il y a de la latence, hein, la vache. C'est le jetpack. J'avais coupé le son, j'essaye de voir ce que je peux faire pour les suicidaires. Purée, il y a bien. Les suicidaires, il y en a pas mal, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? C'est pas vrai. Il arrête pas de se prendre des rochers à la place de la tête. Bon, c'est un déplacement normal, bah de toute façon c'est nickel, je vais te coller une main dans la tronche. Dans la gueule. Je vais t'achever, ouais, c'est ça. Une petite gifle, mais qu'est-ce que t'as fait mon petit? Paf. Oh bah qu'est-ce merde. Qu'est-ce que j'ai en stock? Il te reste un point de vie, voilà, c'est la claque. Ah si, je peux te faire un soin intensif. Je dis, faites gaffe avec les enfants, faut pas frapper trop fort. Eh, soin intensif. Après ils deviennent le président des États-Unis d'Amérique. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est Yavin. Yavin, tu as vu ton ami Oswald se mettre en défense. Entre les hein. jambes d'Oswald et sur derrière les. Je remonte ma robe. Derrière les aisselles de Delphine et je touche le nuage gardien. Tu peux faire un pas de placement. Ouais, ouais. Quand même te déplacer, tu vois. Tu auras quand même remarqué. Hein, Yavin, tu auras remarqué l'héroïsme d'Oswald quand même en te protégeant de son corps contre le rocher qui est arrivé dans ta direction. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. Aïe aïe aïe. Elle est encore là. Oh non. Et c'est un automatique miss, mais je le fais pas, Louis, t'inquiète. Tu passes ton M. C'est pas un M. Mais par contre, ça m'arrête mes rayons ardents. Oui, par contre, oui, tu t'arrêtes. Et la n'ai punition plus de sort, est. Denis, ou de... J'aime pas les jeux punitifs, donc. Il préfère les jeux sadomaso. Ouais. Ouais, il aime bien. Ouais, ah ouais, je préfère recevoir les. Par contre, tu peux passer ton tour. Les rochers, avec la tête. Et c'est à Chalélu qui va essayer de faire un pas de placement ici pour être en. Pour être en. Ouais, en ligne, on va dire, là, c'est bon, contre le gardien, et elle va balancer 3 flèches. 2 flèches déjà, ici. Ça touche pas. Ah, ça touche pas. Et la dernière. Et c'est loupe. Mustavilmar. Alors, je fais pas attaque en puissance, parce que sinon je vais le rater. Est-ce que tu te mets des malus à chaque fois alors? Et pourtant j'ai mis l'héroïsme suprême. Je fais moins 5 de malus quand je fais attaque en puissance. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais, c'est genre des créatures dures. Ouais, ouais. Ouais, c'est à éviter ça. Ah bon? Ouais, ouais, avec le score qu'il fait, tu me diras. Regarde, putain, la vache. 7-4-7-7. Bravo! Sérieux, t'as vu le score de merde? Bravo! Tu l'as tiré quand même. Il le cherche. 4 attaques. Il y en a une qui touche. Il y a une qui avait 7, quoi. Eh ben j'ai pas eu grand chose avec ça. C'est 7 plus le 32 qui a réussi. Voilà. Et tu. Avec rapidité j'en fais une dernière quand même. Ouais, allez. Allez. Allez, allez. Allez. Oh ouais. Bravo. C'est pas les fictions. Bon bah Finn, je compte sur toi. Hein. Il peut faire 200 points de dégâts dans le round facile. Et... Bah ça va être d'abord à l'ankylosaure. Ouais, pff, ouais. hop. Il est. Non, 10. Et c'est au gardien des runes. Et c'est gardien des runes. Voilà, là on va arriver. Là, c'est là que ça va piquer dans les chaumières. Alors, vous êtes toujours aussi nombreux. 1, 2, 3, 4. Donc je jette un dé de 4. Attention, roulement de tambour. 3, 1, 2, 3. C'est Falgor. Oh bah ça va encore. C'est Falgor, ça va encore. Il faut prendre l'accent suisse en disant ça. Les femmes, gore, ça part encore. Eh ben, ça touche. Il y en a une qui touche. Regarde, il va pleurer. Il y en a une qui touche. Sur Falgor. Pif. Et Staffin. Oh Staffin, il fait un pas de placement. Tac. Tu as la commande. La cisaille. Non. T'as le sécateur. Vas-y. Il y a un truc qu'on peut le mettre. Et si t'as la tondeuse, non, tu peux venir chez moi. Mets dans le modificateur, Gaël, mets un plus 2 directement. Un bonus malus, là. Il y a le flanking.
Si, dans les actions, t'as un truc. Normalement, t'as, tu as, mais... prise en tenaille. Prise en tenaille. Hein. Dans les actions de combat. Hein. Dans les actions de combat. Ah bah normalement, hein, c'est dans... C'est... Oh là là. Dans les cacs, ici, prise en tenaille. Ah ouais. Eh oui. Faut pas l'oublier, par contre, parce que des fois... Voilà. Voilà. C'est fait. Tranquille. La pote. Ça touche. Ah, ça critique. Critical, voilà. Ah ben, ah, Vilmar va être content. Je peux attaquer. Oui. Après 4 mois d'utilisation. Tu sais, généralement, quand il en sort une de critique, c'est bon, la créature tombe et tu peux rien faire. Donc, ça, c'est ta première attaque. J'avais oublié de mettre la. Bon, tant pis. J'attaque en puissance, je vais mettre les autres. Hein. Oui, c'est dommage. Bon. C'est critique. Donc, plus de biche. Tu vas pas avoir le temps de faire ton critique. Bah vas-y, attends. Ah bah c'est, bah vas-y, fais tes dégâts. Ah non, mais je fais pas beaucoup de dégâts, moi c'est juste. Histoire de dire, je l'ai frappé avant que. Voilà, ça touche. Ça touche, c'est tout. Bah, toujours dans les pieds, en train d'essayer de faire tomber votre adversaire. Bah, il est encore debout. Hein. Oh là là, critique. Oh là là, tu vas être content, j'ai jamais critiqué autant. D'ailleurs, on entend et crier. Oh, ah, par contre, voilà. Il tombe au sol. 3-3, mais il arrive à 4. Oh. Non, mais il tombe au sol. Il tombe non, au sol. Ça marche plusieurs fois par round, ça. Bah écoute, j'ai pas réussi à trouver de restriction dans la description du truc. Et quand tu critiques comme ça, ça me fait critique aussi. Non, non bah faut pas non. Exagérer, hein. Ça marche pas dans les deux sens. Marche pas dans les deux sens. Par contre, effectivement, le gardien des runes tombe avec. Alors, de quel côté va-t-il tomber? C'est le salaud. Arrête de faire ton gueule. Ah non, il tombe en arrière et il s'écroule au sol dans un bruit qui fait trembler toute la pièce. De fureur. Je ne prononcerai pas ce mot-là. Bah tu peux passer ton tour, Fifine. Fine. Fino. C'est à Ozolt. Sachant que un sort de niveau 8 fait autant de dégâts qu'un projectile magique, je vais faire un projectile magique. Ouais, ouais. Y a pas de résistance au sort, sur lui, hein. Non, non, y en a pas. Non, 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 on en a pas vu, en tout cas. Y en a pas eu. Bah non, mais c'est scripté, donc logiquement... Voilà. Voilà, projectile magique. Bah, il se prend des projectiles, mais il est encore debout. Enfin, elle est encore debout. C'est magique, ça. Hein ? Non, t'as fait une décharge électrique, là. Pourquoi ? Ça a pas marché sur lui ? Pour le niveau, pourtant, je l'ai fait sur le token. Non, mais les dommages que... T'as fait les dommages d'un... D'une décharge électrique. Oui, ah oui. En moyenne, ça fait pas. Je suis gouré de sort au-dessus. Bah, si tu veux, tu peux lui remettre, à mon avis. Non, mais je pense que c'est bon, de toute façon. Mais il prend des dégâts d'électricité ? Je regarde. Oui, c'est bizarre. Le pont de nuage, oui, c'est pas bizarre. Bah oui, moi aussi, mais du coup, je vais découvrir un truc. Et du coup, bah non, effectivement, il est pas immunisé à l'électricité. Hein. Ouais, mais bon, décharge électrique, il ah peut si, toucher, donc, si, si, il est... Non, non, mais je peux pas le faire, il faut que tu lui enlèves les dégâts, pardon. Ouais, bah c'est ça. Je peux pas le faire à distance. En plus, il est immunisé contre l'électricité. Mais Voilà. Mais ça peut marcher. Et c'est que peut-être le sort est peut-être mal scripté aussi. Hein. Non, t'as marqué Electricity, ouais. Moi j'ai marqué Electricity, donc. Bon, je ne sais rien. Il est immunisé oui, à l'électricité. Comme j'ai pas fait le jet pour toucher, peut-être. Je pense que c'est ça en fait. T'as fait directement les dégâts en fait. Ouais. Mais donc je vais remettre les 19. Okay, ouais, remets 19 et puis j'ai fait électricité. Oui, je pense que c'est sur le dommage. Hein. Tu me dis quand c'est bon. Ah, attends, deux secondes. Ouais. Un petit problème. Voilà, c'est bon. Vas-y. Mais voilà, c'est moins bien, mais... C'est moins bien, mais bon. C'est fait. Non, c'est fait. Et style les douanes de jeu. On dort. Mais pas tout de suite. Réveillez-le. Réveillez-la. Oh, bordel, vous avez encore une bestiole là-bas.